par le C8X Pisces Expedition. Petit vaisseau d'exploration. Au niveau de sa taille, on est sur du 12 mètres sur 10-3 sur 3-3. Au niveau de son poids, on est sur du... je sais pas, en fait. Parce que sur le site de Monsieur Roberts, j'ai pas trouvé l'info. Donc, il pèse un certain poids. Il a quand même une capacité cargo de 4 SCU. Au niveau de son armement, on est sur deux gimbals de taille 1 et deux armes fixes de taille 1. Il possède également deux lance-missiles de taille 1 qui possèdent un missile de taille 1. N'hésitez pas à aller faire un saut sur Hercule afin d'avoir toutes les infos. Je vous mets le lien, comme d'hab, en dessous de la vidéo. Au niveau de ses modules, on est sur un générateur de bouclier, un générateur d'énergie, deux refroidisseurs et un moteur quantum, le tout en taille 1. Bon, si on allait se balader avec le petit pépère d'exploration, ça vous dit? Allez, c'est parti! Voici le Térapin. Au niveau du gabarit, on est sur du 19,5 sur 14,5 sur 6. Et il pèse 86 tonnes. Comme vous avez pu le voir, il y a le nécessaire pour une personne. Un lit, douche, toilette, de quoi ranger les armes. Ici, on retrouve une tourelle, mais qui n'est pas armée. C'est un vaisseau d'exploration, du coup... Ici, c'est plus le scanner. On va l'allumer, comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne. Voilà, donc là on a le radar. On peut interagir sur deux, trois petites choses. Hein. Vous voyez que c'est pas complet au niveau de la console. Mais pour le moment, en vrai, ça sert pas. Pour l'instant, ça viendra. Vous connaissez le truc ? Soon. On va sortir de là. Voilà, on éteint la console et on sort. On va aller visiter le reste du vaisseau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici?
Ah, bah oui, les emplacements pour les modules, c'est vrai. Du coup, le Terrapin possède un générateur de bouclier et un générateur d'énergie de taille 2. Trois refroidisseurs et un moteur quantum, et ça, c'est en taille 1. En revanche, au niveau de ses armes, il en a sous le nez. Et que sous le nez, du coup. Deux armes de taille 2. Comme d'hab, vous connaissez le délire maintenant. Vous pouvez aller faire un saut sur le site Hercule. Le lien, il est en dessous de la vidéo. Et vous pourrez voir cela de vous-même. Bon, allez, le cockpit maintenant. Oh, ce bruit au démarrage. Ah bah, je sais pas ce que vous vous en pensez, mais moi le cockpit de ce vaisseau, je l'aime bien. Il y a plein d'écrans, on peut tout afficher comme on le souhaite. Le radar au milieu. Moi franchement, j'ai bien apprécié. Après, voilà, ça reste un avis personnel. Bon, eh bien maintenant, il n'y a plus qu'à aller s'amuser un peu. Annonce clairement la couleur quand on le voit. Il mesure 17 mètres sur 7 sur 5,5. Au niveau de son poids, il pèse. Je sais pas. Il n'y a pas l'info sur le site de Monsieur Roberts. Du coup, bah, je peux pas vous dire. Désolé. En revanche, au niveau de son armement, il y en a deux lance-missiles de taille 5 qui ont 4
missiles de taille 5, mais ça, c'est les plus petits. Il y a aussi lance-missile taille 7 qui héberge un missile de taille 7. Voilà. Bon, en même temps, c'est un engin de guerre, donc... Ah, et j'ai oublié de vous dire, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la température extérieure. Vu que le véhicule est hermétique, on est tranquille. Anvil Aerospace. All systems online. Le Ballista possède également une arme, tourelle, de deux armes de taille 2. Au niveau de ses modules, deux générateurs d'énergie, un générateur de bouclier, un refroidisseur, le tout en taille 0. Bon, maintenant que je vous ai tout dit, je peux aller faire un petit tour et m'amuser un peu. Ouais, comme d'hab en fait. D'un doute, c'est pas instable les petites bestioles derrière là.